Cette année, c'est notre anniversaire, on fête nos 130 ans. On doit faire partie des plus anciennes sociétés coopératives. On a été créé dès le départ sous forme d'association ouvrière. Nous sommes installés donc à Wissous depuis mars 2021. Cela nous a permis de réhabiliter un bâtiment et de réinvestir dans du matériel de production qui va nous permettre d'être plus compétitifs et de revenir sur certains marchés. Comme toute coopérative, l'objectif c'est quand même de transmettre la coopérative aux générations futures et de transmettre le savoir que les compagnons au fur et à mesure ont acquis au sein de l'entreprise. Et donc on forme environ 8 à 10 apprentis chaque année. Les charpentiers de Paris interviennent en charpente bois, structure bois, ossature bois, CLT, lamellé collé. On travaille aussi en structure métallique. On intervient aussi en confortement et en étaiement, ce qui est une spécificité d'entreprise. Bien sûr aussi en menuiserie bois et agencement bois, surtout les projets d'agencement importants. On a notre propre bureau d'études interne. Et donc en collaboration avec le chargé d'affaires et le maître d'œuvre, on arrive toujours à trouver des solutions techniques efficientes pour le maître d'ouvrage. On vient nous chercher pour notre capacité à trouver des solutions techniques dans des situations particulières. L'occasion à plusieurs reprises d'intervenir pour des chantiers d'exception, notamment donc une première fois en 1985 avec Christo pour l'empaquetage du Pont Neuf, puis en 2021 pour empaqueter l'Arc de Triomphe. Un chantier vraiment très particulier, exceptionnel dans sa nature, dans l'image, dans la presse qu'on a eue. L'intérêt et le but de la construction de cet atelier, parce qu'il est assez récent, c'est en fait de pouvoir être réactif sur les commandes spécifiques de nos clients et pouvoir répondre à tout sans pour autant être de l'industriel. Donc ce n'est pas une usine de production, malgré sa taille, mais c'est une usine capable de tout faire assez rapidement et surtout très bien. C'est pour ça qu'il y a autant de matériel. On a 2 x 4000 m², un atelier énorme, c'est un atelier high-tech. Les machines, finalement, ça reste à échelle humaine. Parce que c'est des ouvriers qui sont derrière, c'est des ouvriers qui les font vivre. On vient de la terminer, mais on sort une porte cochère en restauration complète dans nos locaux. Donc là, on est vraiment sur du travail artisanal, mi-charpente, mi-menuiserie. On a un escalier en cours de fabrication, on vient de finir un prototype. Des éléments décoratifs pour le Sénat, mais toujours des petites productions, mais très ciblées, très spécifiques et surtout très qualitatives. Le métal, c'est un peu pareil. On a beaucoup de projets de moyenne à grosse envergure, des écoles, des crèches, des lycées, des collèges, des mairies, des extensions. Systématiquement, c'est des nouveaux projets d'architectes avec ce que ça comporte comme contrainte. Et nous, on peut répondre favorablement à ça parce qu'on a les compétences techniques et on a surtout la ressource humaine pour le faire. Le dessinateur, le concepteur va avoir un niveau de compétences et d'expérience bien spécifique sur la gestion informatique du projet. Tous les ateliers sont ouverts, tous les bureaux sont ouverts. On n'est pas actif, on devient proactif sur ces projets-là. C'est pour ça que finalement, les uns sans les autres, on n'est pas grand-chose. Tous réunis, on fait des super trucs. Là, on est dans le 14e arrondissement de Paris, un ancien immeuble qui a été démoli et ça a été repris par les charpentiers de Paris. On a 6 étages. C'était polyvalent, la charpente métallique, le bois, et à la fin, nous, on est arrivé à proposer la menuiserie. C'est quelque chose d'original. C'est vrai que nous, on est reconnus. Dès qu'on fait quelque chose, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, c'est un peu ça. Il y a pas mal de fenêtres, des baies vitrées aussi à poser. C'est intéressant aussi de poser ces fenêtres-là sur un endroit que nous, on en construit. C'est agréable. Bien sûr, on est comme toute entreprise, avoir une rentabilité et d'avoir des résultats financiers. Et on doit aussi transmettre l'entreprise. On doit aussi tenir compte du côté humain qui est très important. Le petit plus de la SCOP, c'est déjà les respects qu'ont les gars de leur appareil de production. C'est leur machine. C'est eux qui ont choisi de l'acheter. Finalement, c'est ça, une entreprise pour les gars. Si on travaille, c'est pour nous. C'est comme une famille, c'est dit qu'on arrive, on est chez nous. Voilà. Sortir le chantier positif et voilà. Et on gagne dans tous les sens.